Oui, alors je m'appelle Dominique Lauriferne, je suis magistrat français judiciaire, donc à la Cour de cassation française, c'est-à-dire à la Cour suprême française. Et donc j'ai été élu au mois de mars dernier secrétaire général de l'Association des Cours suprêmes francophones, donc qui est une association qui regroupe de par le monde 50 cours suprêmes de 50 pays différents, qui donc ont décidé de s'unir pour collaborer, faire des colloques sur des sujets généraux comme l'indépendance de la magistrature, justice et État, des thèmes de ce genre, et donc également organiser des actions de formation. Et nous avons mis en place une base de données internationale dans laquelle on peut retrouver la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des tribunaux suprêmes de chacun des pays qui sont membres de cette association. À quelle mesure il y a la Cour suprême du Canada, la Cour de cassation française, mais aussi beaucoup d'autres cours suprêmes de différents pays francophones et parfois non francophones qui ont décidé de s'associer à nous. Selon vous, quels sont les avantages et les retombées pour votre organisation de s'associer à un projet de recherche universitaire tel que ce partenariat ? Je pense qu'il y a une interaction réciproque entre les deux, c'est-à-dire que les chercheurs auront peut-être intérêt à aller interviewer un certain nombre de magistrats, voir comment ils pratiquent la diversité juridique culturelle, quels sont les obstacles à la diversité juridique et l'expression des diversités autochtones. Et inversement, les magistrats, je pense, vont tirer profit des travaux de recherche et des résultats de ces travaux dans leur pratique quotidienne. Et bon, c'est quand même un aspect intéressant. On voit bien dans une association comme la nôtre, où il y a donc 50 cours suprêmes différentes, que même si les textes sont parfois semblables, on a une pratique différente parce que la façon d'appliquer les textes par le cours suprême est fonction aussi de la culture du pays, la culture juridique, la culture étatique, la culture de l'ensemble des membres. De quelle manière comptez-vous participer à ce projet ? Alors, le partenariat qui a été engagé entre la JUCAF et la chaire de recherche de M. Otis, c'est avant tout faciliter justement l'intervention des chercheurs auprès éventuellement du Cour suprême, c'est éventuellement faciliter pour les magistrats qui le souhaitent l'accès aux travaux de recherche du groupe de travail, et puis c'est également financer donc une partie de cette recherche, puisque nous avons un partenariat dans lequel nous sommes engagés à un certain financement.